Mes frères. Oui, pas de problème. Attention, avant Maclemore, c'est dans Romano. La dernière fois que Romano a lâché un pourboire, ben c'est jamais arrivé. Les conseils pas chers sur Skyrock. Attention. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Dans Romano. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Les conseils pas chers de Don Romano. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Bonjour, je vais vous parler de Dieu pour bien sûr une modique somme d'argent. Merci Don Romano, ta générosité, ton cœur nous fera toujours plaisir à voir. Et je vous souhaite le bonheur, la paix et la postérité. Merci Don Romano. Je vais passer dans les rangs, récupérer les offrandes. Oui, parce que Don Romano fait surtout les quêtes. Oui, je peux également soulever ma soutane pour les femmes. C'est, c'est ce qui fait le mieux, les quêtes. Alors, c'est parti, allons chez les familles. Allez. Tu as entendu parler de cette appli, l'appli de la Bible, ça t'a donné... Ah bah bien sûr, j'en touche un pourcentage dessus. Ah, il est malin, il est surtout les bons coups, ce Don Romano là. Alors, l'idée de ce matin, on fait qu'on appelle des familles en direct, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais leur parler de Dieu. Ah. Oh, super. Pour une modique somme d'argent, bien sûr. C'est la bénédiction du matin. Oui, car la maison de Dieu a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Sur la messagerie. Ah, on est sur malheureusement, je ne pourrai pas escroquer de messagerie. Non, tu as déjà essayé, tu n'y es pas arrivé, Don Romano. Non, je n'ai pas réussi. Compliqué. Oui, il a tout essayé, Don Romano, là. C'est quoi cette nouvelle musique? Eh bien, c'est la musique de la paroisse. La musique de la paroisse. Ça fait ta-ta-ta-tam, tam-tam-ta-tam. Allez, joue du piano, mon petit. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Joue du piano, mon enfant. Oui, à qui parles-tu? À mes enfants de cœur. Ah, on salue les enfants de cœur de Don Romano. Après, tu joueras du pipeau. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui? C'est la femme à Jean-Louis. Bonjour, oui, madame. Bonjour, c'est la femme à Jean-Louis? Oui, tout à fait. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Don Romano à l'appareil de la paroisse. Je vous appelais ce matin pour vous parler de Dieu et vous faire la petite bénédiction du matin. Oh. Abemus papam. Abemus papam. Allô? Non, mais attendez, mais c'est une blague, ça, ce Ah matin, non, pas du tout, je vais venir vous parler de Dieu. Je vais vous bénir, ma petite sœur. Oui, je suis l'enfant de cœur de Don Romano. Bonjour, madame. Oui. Lâche mon pipeau, s'il te plaît. Excusez-moi, je dois lâcher son pipeau et je vous laisse. La femme à Jean-Louis. Jean-Paul. Jean-Louis. Jean-Louis, c'est la femme à Jean-Louis. Oui, la femme à Jean-Louis. Ah oui. Il est courbette. Oui, oui. Allô? Oui. Oui, viens voir sous ma soutane, chérie. Ah. Il y a une surprise. Apparemment. C'est une blague, ça. Ah non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Je vais arriver dans 5-10 minutes. Oui, arrivez seulement et puis vous allez voir ce que dans vous mon carrosse, voir, monsieur, je me trimballe en carrosse. T'as pas la papa mobile? Bien sûr, allez oui. Hop. Et Jean-Louis, il n'est pas là? Moi, je vous souhaite une bonne journée quand même. Oui, bah, moi, j'ai gentil. Cherché un petit peu d'argent, moi. Il fera la quête hein, dans les rangs, hein, puisqu'il est toujours la quête. Hein. Oui, toujours, oui. Tu as eu un très bon contact dans Romano avec cette dame. Oui. C'est vrai, et ça fait plaisir de voir que tu es si en forme. Et si séduisant. Et si séduisant. Surtout. Oui. Toujours la main sur le portefeuille, c'est fou. Oui, c'est ça, et l'autre dans la culotte. Romano rappelle quelqu'un. Et l'autre dans la culotte, bah écoute, c'est bien. Oui. Merci Don Romano, on te salue. Et n'oubliez pas, donc, si vous avez une idée d'appli, créez-la, on sait jamais, vous serez peut-être milliardaire bientôt. Ah oui. C'était le conseil pour devenir riche ce matin sur Skyrock. Oui, bien touché ma bosse. Ah si, ça c'est pour devenir milliardaire, mais pour Don Romano uniquement. Ah oui. 6h15. Le morning de Diffoul. Le morning show. Qui va les escroquer, ça. Ah bah j'espère qu'il va y avoir du bon client là, c'est les conseils pas chers. Et oui, c'est les fans de stars dans les conseils pas chers. Romano est un magicien. Oui. Quand il faut payer, il disparaît. Hop là. Les conseils pas chers sur Skyrock. Abracadabra, je m'en vais. Hop là, vite. Mais pas tout de suite. Alors. Tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil aux fans. Ouais, et là, on va commencer par Michel et les fans de Johnny. Merci pour vos messages, merci pour les numéros que vous nous avez laissés. On va les tester en direct. Un fan de Johnny, tu peux lui vendre une... Qu'est-ce que tu peux lui vendre, Romano? Une banane, parce qu'un rocker, il a une banane sur la tête. Ouais, c'est ça, ouais. Une fausse bague, une fausse hanche aussi pour Johnny. Ouais, aussi, il a ça en stock, des dents. Des dents de Johnny. Une bouteille de vin qu'il a pas fini. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est bien vous le fan de Johnny? Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, parce que moi aussi, rock'n'roll, bebop et lula. En fait, là, je vous explique, moi, j'ai des objets que j'ai récupérés auprès de Johnny parce que il y a une période où j'étais relativement intime. Et là, vu que je déménage, en fait, je cherche à m'en débarrasser. Donc, je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser, vous. Non, justement, moi, je me débarrasse aussi des affaires parce que je déménage aussi. Ah, vous en voulez plus de Johnny? Rock and roll, baby, bop, lola. Non. C'est quoi ta chanson préférée, toi, de Johnny? Moi, c'est Gabriel.
Maintenant, j'ai plus rien à voir. Moi, je suis en patrouille de police nationale. Ah, t'es en patrouille de police nationale, mais tu sais que tu es un très mauvais comédien. Oui. Grave. J'ai quand même à te le dire. Vraiment, tu n'es pas acteur, toi. Je vais remonter votre numéro là. Quand ouais, bah c'est bien. Ouais, ouais, est-ce que t'as la table d'écoute? Tu pourras me montrer ton gyrophare. J'adore quand ça clignote. Dans la tête. Donc, il va te faire foutre, gueule de mort. Gueule de mort. C'est l'expression de Johnny sûrement. Bah tiens, Philippe Apollo là, gueule de mort. Gueule de mort. Qui d'autre après le fan de Johnny? Allez, après le fan de Johnny. Ah, le fan de Johnny est agressif ce matin là. Il est passé à côté d'une banane et d'une orange quand ah, même. Ah bah tant pis pour lui hein. En plastique. On va passer au fan de Tal. Tal. Ouais. Ah là, c'est dans un autre style. Ah ouais. Ah ouais, c'est les extrêmes là. Ah bah on tape dans tout quoi. Bah, ça va être un peu plus jeune je pense. Bon, allez, m'évader. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Le fan club officiel de Tal à l'appareil. Oui. M'évader. Attends Tal, je descends le micro, tu es trop petite. Tal, c'est l'Ariana Grande française. Ouais, c'est ça, ouais. Tout petite. Alors, dites voir. Elle est mignonne, Tal. Ah, c'est vous qui êtes fan? Non, enfin, c'est mes filles. Ah oui, parce que j'avais des objets personnels de Tal. Qu'on a récupéré. J'avais une de ses petites culottes. Ah ouais, mais ça m'intéresse pas, je vous remercie. Ah bah, attendez, quand même. Non, mais j'ai pas que ça. On a des mèches de cheveux. J'ai également des bagues et des bijoux qu'elle avait mis sur scène. Ah oui, oui, oui. Qu'on lui a volé dans sa loge. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je traînais comme ça. Je suis passé, j'ai tout embarqué. Je comprends. Bon, allez, vous avez bien m'acheter un petit truc pour les enfants. Ah bah non, en fait, moi, c'est pas les objets qui m'intéressent, moi. C'est quoi? C'est elle. C'est le concert, quoi. Alors, ah, le concert. Ah, bah, je peux vous faire venir Tal à la maison, hein. Je la connais personnellement. Ah, bah, c'est sympa. pour un prix sympa. Bon, vous allez bosser aujourd'hui ou quoi? Oh, non, pas encore, là. Pas trop, parce non. Que non. Parce que moi, en fait, j'ai pas trop le temps. Ah. Je dois aller porter les enfants à la garderie et je dois aller bosser, moi. Donc, ah bah, comment on fait pour le concert de Tal à la maison? Je la connais vraiment, hein. Ouais, non, mais. Un petit billet, elle vient. Allez. Bah, ouais. Un beau billet, un, même. Un joli billet, voilà. Un gros billet pour le producteur. Mais je vais vous laisser, là. Vous êtes bien sympathique, mais bah je vais vous aussi. Laisser. J'ai pas trop le temps. Alors, on va s'en aller. Ah ouais, on s'en aller. Allez-y. Je vais prendre une voix masquée, on sait jamais. Hein. Et ils font du trafic. Et c'est les conseils pas chers. Ah bah oui. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, les familles le donnent à Romano. Ah. Les conseils pas chers sur Skyrock. Et c'est donc parti. Chez les policiers. Alors, je vais faire un essai de voix. Hein. Vas-y. Veuillez rester en Allô. Ligne. Allez, nous sommes le Gilo, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la police. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'aurais des indications à vous donner sur des voisins de mon immeuble qui seraient narcotrafiquants de drogue de Colombie. Oui, et vous habitez où? J'habite sur la Grand Place. La Grand Place? La Grand Place. D'accord. Oui. Vous notez? Allô? Il a noté, bah, il t'envoie quelqu'un sur la Grand Place. Ah bah très bien. Et bah c'est fait. Il y en a qui vont être réveillés à coup de bélier. T'as pas donné le prix? Ah bah, ah oui, bah attends merde, ouais, il faut rappeler. Allez, rappelle. Ou rappelle un autre. Allez, un autre. Allez, bah, on est où? On est en Belgique là? Ouais, c'est la Belgique. Ah bon, ça ouais, parce qu'il faut que je. On est, c'est les commissariats belges, bon. Oui, je suis toujours l'indique. Bonjour. Que je vous souhaite une bonne journée. Je suis également l'indique. Oh. Oui, que nous avons plusieurs indiques ce matin. Je suis aussi l'indique. Les indiques qui gagnent beaucoup d'argent avec de bonnes informations. Elle est sexy ta voix comme oh, ça. Oh baby. Alors. Let the music play. Ouais. Pour Roule. Je suis Barry White. Oui. Je dirais que je suis Barry White, monsieur. Il y a Roule qui s'inquiète, qui demande quel est le nouvel animateur que j'entends ce matin sur Skyrock. Skyrock, c'est moi qui fais les pubs mythiques. Allô, bonjour. Oui, bonjour la police. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me prénomme Barry White. C'est joli comme prénom. Et je vous appelais pour vous donner des indications concernant des voisins qui trafiquent de la drogue de Colombie. Des Colombiens qui trafiquent de la drogue, ça vous intéresse? C'est Colombien. Monsieur, qu'est-ce que pourrais-je faire pour vous? Eh ben, il faudrait me donner de l'argent et je vous donne l'adresse et le nom des personnes. Je voudrais être indicateur. Monsieur, enlevez ce truc sur le téléphone. Là. Ah non, mais c'est parce que mon ami est en danger. Il a des infos. Barry White. Des infos très importantes à donner, mon ami Barry. Ici, vous êtes sur un standard d'appel urgent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, faut venir parce qu'il y a des narcotrafiquants. Il y a des narcotrafiquants. Je fais la traduction simultanée. J'ai fumé de la drogue. Putain, elle est bonne. Monsieur, je suis obligé de couper hein, parce que vous êtes sur une ligne d'urgence ici. Allô, bonjour. Je suis la femme du monsieur.
Au revoir, monsieur. Ah, bah non, c'est madame, madame là. Là, c'est ah, madame. Bah, complètement pourri. Et madame, c'est prouvé. Jusqu'à 10 000 euros peuvent choper les indics. Eh oh, c'est bon. Ah, bah écoute, j'imagine que ça te fait plaisir. Oh ouais. Ah ouais. Merci à Barry White qui a participé en guest star. Et à la femme de Barry White aussi qu'on a découvert ce matin. Ah ouais, oui, oui. Bah, salut la famille. Bonne journée, ciao. Salut, ciao, 8h22. Le morning de Diffoul. Le morning show. 6h-9h sur Skyrock. Et dans un instant, on joue ensemble aux 3 en 1 après les Black Eyed Peas. Et Where is the love? Mais où est l'amour? Black Eyed Peas et Justin.